téléspectateur 5 de Pique revient sur le parcours du peintre Georges-Claude Michelet, artiste ayant vécu au Liban sous le mandat français. Né en 1867 en France et décédé en 1946 à Beyrouth, Georges-Claude Michelet sillonne l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle. Au cours de son périple régional, il choisit Beyrouth comme lieu de résidence. Comme Georges Sire ou Boris Novikov qu'il précède, la douceur de vivre et la lumière de Beyrouth envoûte Georges-Claude Michelet. Pourtant, ce ne sont pas les seules raisons qui expliquent son installation au Liban. Le peintre est issu d'un milieu aisé. Il ne vend pas ses œuvres par obligation, mais par plaisir ou par amitié à la demande de l'un de ses proches. C'est un familier attitré de l'ambassade de France où il est apprécié pour sa fine compréhension du milieu libanais. Les services de l'administration française le consultent et mettent à profit son réseau de relations. Michelet intervient régulièrement dans des affaires politiques et parcourt la région. Bien qu'il soit une figure publique, il s'en sert peu à la société libanaise, il reste assez discret. L'artiste établit son domicile et son atelier à la rue du Patriarche à Houayek. Il contribue au développement de la scène picturale. Parmi ses étudiants, citons le jeune peintre arménien Galantz. Georges-Claude Michelet produit de nombreux paysages au gré de ses voyages en Jordanie, Turquie, Syrie. Il réalise des scènes de rue pittoresques. Son pinceau accompagne avec délices les promenades des habitants. Il croque de nombreux portraits car il aime dévoiler la personnalité de son modèle à travers son regard. De Pique vous présente Famille kurde. L'huile sur toile a été réalisée par Georges-Claude Michelet en 1930. Elle appartient à la collection du musée privé Émile Hanouche. L'observation des modèles que l'artiste représente ici s'enracine dans un réalisme apaisé. Ce courant artistique est déjà présent dans l'œuvre de Caravage au XVIIe siècle. La femme kurde dégage une identité forte, particulière. Sa communauté appartient au rameau iranien de la grande famille des peuples indo-européens. La forme large des vêtements féminins des personnages est commune. Il recouvre l'ensemble du corps. On reconnaît au premier plan le jaffi, pantalon féminin long, ample, bouffant, descendant jusqu'aux chevilles. Cet habit est la tenue que les paysannes kurdes portent pour travailler. De simples et longues robes de tissu recouvrent les pantalons des modèles. Leur coiffe consiste en des foulards roulés autour de la tête. La petite fille est parée du kola, chapeau de forme cylindrique serti de paillettes colorées. La société kurde traditionnelle est fondée sur le modèle matriarcal. Michelet est ici l'orientaliste qui reproduit l'Orient tel qu'il le voit pour le transmettre à ses compatriotes occidentaux. Il s'exécute hors des thématiques conventionnelles abordées par le courant orientaliste rêveur. Il y mesure l'exotisme au profit d'une lecture culturelle et géographique de son sujet. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de Pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art qui donne un prix à nos vies.